Bonjour à vous, je suis Harry Fitball et vous regardez WNS News. Nous en savons un peu plus sur la tentative d'enlèvement ayant visé Hanako Arasaka durant la parade sponsorisée par Arasaka. D'après les premiers témoignages, les assaillants ont frappé alors que la fête battait son plein. Ils ont submergé la sécurité et pris le contrôle du char de l'héritière d'Arasaka. Heureusement, les forces de sécurité d'Arasaka, dirigées par Yorinobu Arasaka en personne, ont pu retrouver rapidement les ravisseurs et mettre Hanako-sama en sécurité. Yorinobu-sama a depuis condamné publiquement les agissements déplorables des ravisseurs et promis des sanctions très rapides. À ceux qui ont osé lever la main sur la famille Arasaka, je fais une promesse. Nous allons couper cette main et verser du sel sur votre moignon. Eh ben, il va pas prendre de gants, on dirait. Bonjour les amis, ici Gros Choc Geek qui se tâte encore pour renommer en Choc Fury. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller... je vais appeler Monsieur Hand. Donc, j'ai amélioré un petit peu mon matériel. Hein. Ouvrir les messages. Ouais, j'ai plein de messages à lire. Si tu m'appelles, que ce soit pour affaire. Je n'ai pas de temps pour bavarder. Acide bêta, ce n'est pas très compliqué. Ok. Ok, d'accord. Nae est morte, bravo. Je me demande bien ce que vous espériez accomplir avec ça, parce que je pense pas que ce soit juste une histoire d'amour blessé. Même des amours propres blessés feraient pas un truc aussi crétin, pas vrai? Oui. Coupe de nomades, puis entendu. Je me rends pas compte que j'avais autant de. Ah oui, d'accord, alors là. Passe me voir dans ma petite paroisse quand tu auras un moment, on pourra discuter entre amis. Je pense qu'il faudrait que j'aille le voir un moment. Takemura m'a envoyé des messages, retrouvons-nous. La nuit depuis sa dernière, derrière le dernier bambou du hameau, le renard sort pour chasser. Il étanche sa soif à l'abreuvoir en attendant ton arrivée. Il se terre à l'ombre des cerisiers. Le renard est prudent, craignant que l'eau ne soit contaminée. Il ne se montrera pas tant qu'il ne sera pas rassuré. Je peux pas l'avoir en plus grand l'image, non? Parce que là, c'est quand même vaste, quoi! Non? C'est bien la peine d'avoir un super téléphone. Ça s'est fait comme... ça s'est passé comme j'espérais avec Militech. Merci, et souviens-toi, on ne se connaît pas. Alors, pas de réponse? Mais LOL! Est-ce qu'on vient d'avoir un rencard? Notel Motel. Notel Motel. C'est où? Parce que c'est pas comme s'il y avait des... X. Est-ce que j'ai des... J'aimerais bien savoir où, mais alors là, je... Hôtel, Notel. Bar, bar. Est-ce que c'est marqué sur ma carte en mode... Bon, je trouverai ça... Hôtel Notel. Je suis paumé. Bon, alors je suis censé retrouver monsieur dans... Oh, attends, c'est pas l'endroit où je suis, l'hôtel Notel? Ah non, c'est le Sunset. Ah, merde. Ah, j'aurais gagné du temps pourtant, c'est dommage. Bon. Bon, c'est le moment pour une petite de la main. Tu peux t'approcher. Vas-y, tu peux le faire. Je vais voir ce qu'elle a à vendre, elle a à vendre de monter dans la tuture.
Ok. Ah ouais? Oh, elle vend plein de choses, mais j'ai pas vraiment de sous pour ça. C'est dommage. Elle vend énormément de trucs. Mais c'est quoi cette profusion de provisions indécentes, quoi? Elle vend des... Madame vend des armes légendaires. Hein. Liberty. Quoi de neuf dans le monde? Je m'en parlerai. Je m'en rappellerai, madame. Je m'en rappellerai. Je peux monter dedans? C'est ridicule! C'est tellement ridicule! J'ai pas une histoire qu'on devait pouvoir les remettre droit si on... Bon. Ok. Ça démarre très fort, je trouve. Ça démarre très fort. C'est... On recommence, hein. Ça peut pas déconner pareil deux fois. Elle s'éloigne. Elle vient plus, elle s'éloigne. Oh, oh, ce jeu. Ah non. Ah, sérieux. Ah, c'est bon. Tu vas encore ton... Je n'ai plus de souris. C'est bon ? Eh ben c'est très bien, moi qui voulais aller au Notel Motel. Ah, ravi de vous revoir. Salut Del, ça roule? Suivant votre conseil, j'ai consacré une puissance de calcul considérable à mon étude. Ah, j'ai dû la consacrer à la conduite. L'évolution de l'humanité de ses origines à nos jours. Ça devrait me fournir un bon aperçu de la condition de l'homme moderne. Vaste programme, ça me plaît. Les objectifs sont faits pour être atteints, mais conçus pour être surpassés. C'est le principe qui guide Delamain depuis ses débuts. Ça te dirait de partager tes conclusions? Je suis curieuse de connaître ton avis sur la condition humaine. J'ai bien peur qu'il soit trop tôt. Je viens à peine de commencer. Le sujet est vaste et requiert un examen extrêmement approfondi. Mais dès que j'aurai analysé suffisamment de données, je vous ferai part de mes découvertes, même préliminaires. En attendant, je vous souhaite un agréable voyage. Oh mon Dieu. Ah! Bon, attendez, 3 km. C'est quand même pas tout à côté, tout à côté. On va gagner du temps, hein. Puis on a eu notre passage de la main, c'est bon, on n'a pas besoin de... Mais il me semble que c'est un truc qu'il avait déjà dit, ça, je suis un peu dépité pour le coup. Eh ben, je l'aurais pas trouvé tout seul, hein, l'hôtel... L'hôtel Notel. Le nom est pas déconnant, en plus. C'est pas déconnant pour un hôtel... Le Notel Hotel. Surtout, apparemment, si c'est dans Kabuki. Ça fait un petit peu tendu du string, si vous voyez ce que je veux dire. Ch'toum, 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 ch'toum. Poum, 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 poum. Notel Motel. Oh, ça commence fort. Alors, on est d'accord que aux États-Unis, ici, c'est le conseil comme le zéro. De toute façon, j'ai pas de pas d'autres pioles en fait.
C'est une façon de stocker les ordures qui est pas courante. Je m'attendais à ce qu'il y ait quand même d'autres opportunités. Ah bah non, le rez-de-chaussée, on est aux États-Unis, c'est le 1, c'est le rez-de-chaussée. Donc la copine qui veut me voir. Pas à me voir ici, je parie. Waouh! Ah non, je m'attendais pas du tout. Ah ouais, carrément. Et maintenant? Ah bah, il va se passer des choses, j'ai l'impression. Bon, ça reste soft encore, hein, y'a rien qui est... Ah ouais, d'accord. Allez, le collier doit faire mal un peu quand même. Putain, mais c'est... Ça dure. Alors, à la prochaine, si les dieux des corbeaux le veulent. Mais LOL. Mais... LOL. Vous parlez que c'est elle qu'on va retrouver dans l'autre pièce après ? Wouhou ! Wouhou ! Wouhouhouhou ! Sérieux ? Sérieux ? Ah, dites tout, je serai. Parfois les gens se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment. Bon. C'est un... J'ai cru que c'était un caca. Bon, ben, on en avait entendu parler, hein, des... Oh! Mais je pensais pas que je pourrais m'équiper carrément. Et c'est même pas dégueu comme dégâts, hein. Oh mon dieu. Est-ce que je le mets pour le LOL? Cette vidéo va complètement être censurée par YouTube. Et ça vibre. Ah mon dieu. Ah mon dieu, c'est une vibro-lame. Bon, il n'y a pas d'autre... Y a pas d'autres joujoux ramassés, y a pas de... Non, hein, c'est... C'était déjà pas mal. J'ai un Vibro God. Est-ce que je peux l'améliorer déjà, tant qu'à faire fabrication. Amélioration. Est-ce que je peux améliorer le dildo? Ah, c'est... Ah, c'est une rare iconique en plus. Ok. Faudra que je la dépose chez moi si je m'en sers pas. Leurs coups ne sont pas toujours mortels, mais aux ennemis les sentiront passer. Ah non! Non, sérieux! Ah, il y a encore des objets cachés sous le sol. Bon, là maintenant on a une... Non, on va... Tiens, ben, tiens, moi je sais qu'on a quelqu'un à voir ici. Ah, d'accord, on peut... Petite sauvegarde, hein. Ce serait dommage que je parte de mon arme iconique. Eric Sanchez. Eric Sanchez! Vous enlevez le E? Ok! Ok! C'est qu'un échauffement on doit toujours affronter. Oui. Je suis toujours en vie, tout va bien. Même si tu n'étais pas revenu pour moi, je ne pourrais pas t'envoyer ce message. Merci. C'était qu'un échauffement. On doit
toujours affronter Smasher et à Oda. Peut-être plutôt qu'il ne le pense. Pour le moment, j'attends le lieu sûr. Tu as pu le constater par moi et par toi-même, ses pensées sont difficiles à déchiffrer, mais j'ai l'étrange impression qu'elle est déjà en train de concevoir un plan quelconque. Je lui fais confiance, je te conseille de faire de même, on reste en contact. Ne t'incline que devant celui qui t'est supérieur. Je vais pas bien ce que je... Je vois pas bien ce que je suis censé faire de ça. Ces sages paroles m'ont guidé tout au long de ma vie. J'espère qu'elles te guideront à ton tour. Que prévois-tu de faire? Tu sais que de quoi je veux parler. Je m'en tiens au plan. L'aide d'Anako serait plus que bienvenue. Parfait, c'est le seul choix raisonnable, mon ami. J'étais le premier à me ranger à tes côtés. À présent, c'est ton tour. Et bientôt, le reste d'Arasaka suivra. Même si tu devais abandonner ton corps, n'abandonne jamais ton honneur. Ne t'éloigne jamais du chemin. Miyamoto Musashi. Bon, on a une histoire de... De fur, de... Je sais plus quoi, ici, dans le coin. Je sais que j'ai une quête à faire dans le coin, mais ça a sauté avec... On va aller voir, de toute façon. Là. Bien. Alors il me replie automatiquement. Allez, un nouveau bug pas chiant du tout. On replie les missions annexes, on replie tous les trucs. Aïe aïe aïe, Venus Infer. Je crois que c'était elle en fait, hein. Véhicule, bon bah véhicule. On connaît. Contrat. On va repartir en de tout en bas, puis on va bien. Contrat, l'œuvre d'une vie. Dernière connexion, cyberpsycho, les risques du métier, c'est pas... Non. La collection privée du seigneur, le seigneur donne, le seigneur prend. Ok. Lettre de la loi, grave effet secondaire, terrain vague, monsieur le... Bon, apparemment c'était... Beat on the Brad, Psychopsy Killer, Beat on the Brad, Beat on the Brad, Fools on the Hill, Shoot to Thrill, The Beast in Me, Cold Me Rage, Imagine, The Hunt, Dream On, peut-être? Non. Queen of the Highway, et Violence. Bon. Ah, si, voilà! J'étais pas du bon côté! N'est-ce pas, Eric Sanchez? Pouah. Je commençais à croire que vous ne viendriez pas. En fait, j'aurais peut-être pas dû. Pourquoi? Normalement, je bosse qu'avec des fixeurs. Les clients qui les évitent sont souvent pas fiables. Je tiens juste à ma vie privée. Et... Putain de merde. C'est vous. Oui, c'est moi. Lady Weedy. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je sais pas qui c'est. Donc on va s'asseoir, puis on va... Déjà, je scanne, on va voir si c'est un... Non. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas une du gang des nanas, là? Vous devez vous en douter. J'ai des problèmes. Et de quel genre? L'herpès vaginal avec une pointe métallique, ça doit être compliqué à traiter, oui. Bonne question. J'ai eu une année difficile, panne d'inspiration. Je ne sais même plus à quand remonte ma dernière chanson potable. Et pour couronner le tout, je suis tombée amoureuse. Oui, on va partir sur le principe que c'est pas un problème, même si... Bref. C'est pas ce qu'il y a de pire au monde. Pour moi, si. J'ai des choses à dire, et ça, c'est une distraction. J'ai besoin de me focaliser sur ma musique. Alors... C'est un mec? Une fille? Un cheval? Saleté de main. Parfois, on dirait qu'il me suffit de frôler quelque chose pour le casser. Bref. C'est un homme.
Il s'appelle Liam. Liam Northam. On est ensemble depuis quelques mois, mais je crois qu'il me trompe. Pourquoi ? Ok. Pourquoi vous le soupçonnez ? Ah, c'est tellement cliché que c'en est gênant. Oui, mais encore. Des discrets dans la salle de bain, des tickets de caisse suspects, des rendez-vous secrets en pleine nuit. Vous avez un événement particulier en tête ? Ma tête... C'est un sujet délicat. Pourquoi ? On ne se connaît pas assez bien pour ça, V. Vous lui avez demandé en face ? Vous êtes trop mignonne. Je vous explique. On n'est jamais seul. Je suis toujours entourée d'assistants, de chargés de com, de maquilleuses. En effet. C'est si fou comme elle va causer. Sourire rien qu'une milliseconde, ça sera sur tous les infodocs de la ville. Je comprends. Non, on ne peut comprendre ça que si on le vit. Des millions d'yeux constamment braqués sur vous. C'est magnifique, mais aussi terrifiant. Liam Northam. Non, ça me dit rien. Parlez-moi de lui. La quarantaine, sensible, un mec qui n'a jamais manqué de rien. Vous voyez le genre ? Un gros con. Comment vous vous êtes rencontrés ? C'est mon manager. Je sais, c'est nul. C'était pas prévu. Il n'est même pas mon genre, mais... Mais... J'ai beau avoir un corps en chrome, mon cœur est resté le même. Et le cœur a ses raisons. Ok, c'est alors, mignon. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Des preuves. Et je l'éjecterai de ma vie, pour de bon. Liam va tout le temps au Riot. Je pense qu'il y retrouve quelqu'un. Je veux savoir qui. Vous le ferez pour moi ? Oui, la dernière option est la plus intéressante. Et côté pognon ? Vous en aurez. J'espère bien. Mais combien exactement ? Deux. Ah, c'est d'un futile. Aucune idée. Une quantité astronomique, ça vous va ? Vous savez, pour nous, simples mortels, ce genre de futilité, ça compte. Parfois, ça fait toute la différence entre la vie et la mort. Épargnez-moi vos leçons. Vous voulez le job ou pas ? Bon, je pense que pour une quantité astronomique, c'est bon. Comptez sur moi. On va aller au Riot ! N'oubliez pas, je veux du concret. Si possible, des photos ou des enregistrements. Ok, pas de problème. Bien, alors au travail. Et t'as pas eu l'idée de me filer une caméra, tant qu'à faire. Bon, on va se démerder. On va aller au Riot. Youhou ! Hihi ! Ah ah ! Allez, on se tente un deuxième instant de la main. Le premier était assez épique. Alors déjà, elle n'a rien écrasé sur la route. Eh bien ! T'as repassé ton permis, non ? Non ? T'as rien à dire aujourd'hui ? Ok, c'était peut-être trop tôt. Bon, on va... J'ai le voyage joueur rapide à côté. Je me sens un petit peu con-con, hein. On va... Alors, attends, là. Faut quand même que le gain de temps est là, quoi. Le gain de temps est... présent. Tricola. Bien. T'as l'air réglo. Ok, vas-y. Et pas de conneries. Je cherche un certain Liam. Liam Northam. Vous savez où je peux le trouver ? Va te faire foutre, sale merde. J'ai rien à te dire. Venez découvrir le Ghostbound Sentinel Earthcrack.
Vous hurlerez devant la Blue Moon, tremblerez d'admiration devant Red Menace et ressentirez la brutalité de Purple Force. Leur nouveau hit, User Friendly, fait chanter tout Tokyo. La reprise de la ballade rock culte de Kerry Herodine vous fera forcément danser. Les Youth Crack produiront prochainement à Night City. C'était tout simplement ça que l'autre il essaie de gérer. Décès de Fishy Glows, le rappeur de Fishy Glows, 21 ans, je vous laisse lire. Hein. Tu vois pas que j'ai pas le temps. Par contre, j'ai une icône de discussion qui arrête pas de tournicotiller. Hein, c'est. Ah d'accord, non, il y en a bien un au-dessus, à 10 mètres. Ah, c'est le gorille. Écoutez, c'est important. Pour toi, peut-être. Mais moi, je m'en bats complètement les couilles de tes conneries. Merci, tu es très urbain. Le mulet, ça va pas bien à tout le monde. Chez toi, c'est une catastrophe. Non, en fait, le mulet est très bien. Enlève tout le reste. Bon, on me dit qu'il y a une... Ça doit être pareil, c'est autre au-dessus, là, qui... C'est une chose. Mon Dieu! Ils s'en tapent déjà une autre. Je te jure. What? Quel connard! Ah! Je cherche Liam Norton. Vous le connaissez? Disons que je vois qui c'est. C'est pourquoi? Il est dans le coin. Je l'ai vu arriver, mais c'était il y a une demi-heure. Je sais pas s'il est toujours là. Ok. Bon, on voit quand même que c'est pas un endroit. Est-ce qu'il y a des clones? J'ai pas compté les clones. J'allais dire que c'est un clone ça, mais non. Est-ce qu'il y a des clones? Je vois pas de clones, hein. On est d'accord qu'il y a pas de clones. Ah! J'ai parlé trop vite. Bon, ça fait un clone, ça va. Bon, par contre, cette... C'est la machine qui est là que je peux grignoter, là? Oui! Squeak! Alors, 5-5, E9, BD, 1C, 1C, BD, SM, ok. Alors, si je commence par le E9, je peux enchaîner sur le A. E9, mais j'ai pas de 55. Par contre, j'ai le BD... Je peux mettre sur 5... Ah, merde. Voilà. On s'est pas trop mal démerdé. Hey, 300$. C'est pas rien. Ça valait le coup. Mais... Hey, Linda, du champagne pour le salon VIP. En vitesse. Ok, je donne juste l'addition à la table 3. Hey, j'aime bien cette musique. Ah ouais? J'en sais rien en fait. Je peux filtrer la musique et les bruits parasites. Sinon je deviendrai sourd ici. Tu m'étonnes. Y'a du monde ce soir, hein? Ouais, grosse soirée. Si vous êtes venu parler de vos problèmes, c'est vraiment pas le jour. C'est pas un peu le taf du barman? Je cherche Liam. Liam Norton. Ah, encore lui? Putain, je peux pas le voir, ce pommard. Pour boire pourri. Ouais. Et c'est une vraie tête de con. Et sa femme, c'est encore pire. Sa femme, hein? Intéressant. Enfin bref, il est où? Vous savez que je peux pas vous le dire. Mais non, mais j'ai... Je vous paierai. Ça compensera ses pourboires de radin. Dans le salon VIP, avec une nouvelle femme. Il a commandé du champagne, ça sent la fête. Mais je vous ai rien dit, ok? Ok. Bon, je commande plus rien, j'ai plus de sous. Wow.
Elle est dans le salon VIP. Mais je vois bien, mais... Quoi ? Ah ah ! Mais c'est qu'on ferait presque faire une mission à la Hitman ! Oh ! Des fringues. Oh ! Des belles bottes. Bon, ça, c'est faire mouiller. Ça, ça m'emmène nulle part. Pas intéressant. J'ai hésité à passer par au-dessus, mais visiblement non. Et là, ça mène à dérouiller. D'accord. Bon, de toute façon, on a le badge. Et je peux enregistrer, hein. Alors. On n'a pas l'air à câble. On va faire une petite sauvegarde parce que j'ai peur d'ouvrir la mauvaise porte. Et c'est pas le but. Ça, ça mène dehors, mais c'est verrouillé de toute façon. C'est verrouillé. Là, ça va être verrouillé aussi, forcément. Oh, d'accord. Bon, au bout d'un moment, tu dis, bon, bah voilà, quoi. Oh, j'ai failli passer là-devant. Ça aurait été dommage. Elle veut pas courir. D'accord, c'est même pas une porte active. D'accord. Ok. Bon, tu veux bien courir, s'il te plaît? Cocotte. Elle veut pas courir ici. D'accord. Bon, voyons ce qu'on a. N'acceptez pas souvent d'utiliser la relique, mais vous ne faites pas souvent d'engrammes de personnes vivantes non plus. Pas de soucis. Arasaka s'intéresse de très près à la carrière de Lydie. Ce serait dommage qu'elle se termine prématurément. Une copie de sauvegarde est la solution la plus logique. À ce propos, quand vous ferez une sauvegarde, vous pourriez supprimer des traits de caractère indésirables. Parce que Lydie, depuis sa conversion, elle n'est plus elle-même. J'ai bien peur que ce soit impossible. Les engrammes sauvegardés dans le programme Protéger votre âme ne peuvent pas être modifiés. Mais quelle serait l'importance de ces modifications? Considérable. Parfois, je ne la reconnais même plus. Et d'autres fois... Oh, peu importe. Trinco, à notre collaboration. Oh putain, t'as entendu la même chose que moi, hein? La relique. Ils veulent lui faire la même chose qu'à moi. Pas exactement. Toi, ils t'ont effacé. Là, ils veulent juste faire une sauvegarde. Une ouais, sauvegarde bon. V, on parle d'une personne, là. Pas de photo de vacances. Il lui a même pas demandé son avis. Il va juste le faire dans son dos. Il a aucun droit de faire ça. Personne n'a le droit. Surtout pas sans lui demander. Merde. Comment je vais lui annoncer ça? T'as pas à le faire. Il y a une caméra. Et qui dit caméra, dit vidéo. C'était pas ça. C'est pas ça.
T'es un beau salaud. Je pense que... Wow. Je m'élève. Bon, bah... Oh. Allô, V? Quoi de neuf? Ah, des choses qui vont pas te plaire. Beaucoup. Alors, la bonne nouvelle? Il voit pas de gonzesse. La mauvaise nouvelle? Ça va pas te plaire. J'ai des infos sur Liam. Alors? C'est ce que je pensais? Non. C'est pire, Lydie. Bien, bien pire. Comment ça? Écoutez, je connais pas tous les détails. Mais... Liam veut un engramme de vous. Une copie, quoi. Quoi? Mais... pourquoi? Il dit... il dit qu'il a peur. Pour vous et... de vous. Non. Je ne vous crois pas. Vous m'entendez? Je n'en crois pas un mot. Vous mentez. C'est... ouais, c'est... forcément, elle est amoureuse. C'est compliqué, c'est... Je peux le prouver, j'ai les enregistrements. Tenez, écoutez vous-même. Non, non! Trop rapide. Non, putain! Après, il veut sauvegarder la femme qu'il aime quelque part. Bon! On va sauvegarder, hein, des fois que. Mais je pense qu'on va peut-être. On s'est verrouillé, bien sûr. Ok. Ah, c'est là le salon VIP. Autant profiter. What? Ah. Verrouillé, verrouillé. Ah, bien sûr. Comme plutôt cette arme. Cette arme qui ne fait aucun sens. Je ne peux rien leur faire. C'est drôle, ça. Bon, de toute façon... on a vu ce qu'on a voulu, on s'en va. Ah, je me suis pas gouré, ça fait vraiment un mouvement. Oh, la perturbation est multiple. Je reprends un ascenseur pour... Ah bah non, non, je peux sortir par là, je suis con. Je vais peut-être pouvoir arriver à recourir une fois que je serai dehors, non? Parce que c'est un petit peu handicapant, cette histoire. Ah! J'ai retrouvé mes jambes. Et mon double saut. C'est tout? C'est ça qu'elle appelle une somme astronomique? Incroyable, il m'a bien eu, c'est la part, je vous envoie vos horaires. Il n'y a pas de quoi, j'espère que ça va pouvoir s'arranger. Non, ça s'arrangera pas. Une réponse? Pas de réponse? À mon avis, elle va rappeler d'ici peu. Bon. C'était joli ce bug. Bon. Qu'est-ce que je fais du coup? J'ai pas envie d'appeler une Hand. Par contre, j'avoue que j'aimerais bien savoir où il partit se planquer Takemura. Je pense qu'il faudra que j'aille chercher sur internet parce que... Je ne sais plus comment je vais au message. Journal. Non, journal. Non, toujours pas. Message, oui, c'est mieux. Takemura. Non, j'ai dit Takemura. Ah, donc, on a une vue sur Arasaka. Et il y a une verbe au-dessus. Ok. Que je serai pas devant le dit immeuble en fait. Ah, pont. Non, ça a pas l'air de...
Ah, j'ai le doute là sur. Non, c'est pas ça. Bah, t'es trop bien, je suis à côté, hein. Cette web là-bas, ça me parle un peu plus, j'avoue. Et on a Arasaka ici. Ok, on n'est pas loin. Je pense que c'est là-bas. C'est une grosse boucle. On revérifie. Mais il me semble que c'est écrit en blanc sur le message. Ce serait tellement plus pratique si je pouvais l'ouvrir en grand. Non, l'image est en, le Arasaka en blanc dessus. Ah! On va quand même faire le tour. Parce qu'il y a quand même la boucle. Peut-être que de l'autre côté, c'est écrit en blanc. Tentons une journée de la main. Pratique pour voir si c'est écrit en blanc. Mais... ça a pas l'air. Ça a pas l'air. Ça n'a pas l'air du tout. Bon, de toute façon, il faut que je trouve un endroit où il y a écrit Arasaka en blanc sur un immeuble. Pour me dire que je suis... pas regardé derrière moi, mais si ça se trouve, je suis passé devant. Non, ça va. Laisse-moi regarder à toi. Une mission pour... Dildoman! V, j'ai localisé des médocs volés. Quelqu'un les a planqués dans un appart à Kabuki. Va les chercher, mais sois prudente. J'ai aucune idée de ce qui t'attend là-bas. Si tu les récupères, je connais quelques charcuts qui te remercieront abondamment. Plus de détails en pièces. Quelle horreur. J'ai cru que je reverrais jamais mes enfants. Vraiment, merci beaucoup. Je pense que je vais directement sortir cette vidéo en adulte parce qu'elle passera pas, quoi. Elle peut pas passer normalement sur... C'est pas possible. Allez, apprends à nager. C'était pas normal. Bon. Ce bruit n'était pas normal. Voilà. Le dildo infernal. De toute façon, je m'en fous, j'ai pas de rémunération. Par contre, je suis perturbé parce que... bon, on doit pas avoir celle-là comme boucle. Dommage. Ah.
fait. Tu m'entends ? Connasse ! Il est où celui T'es qui foutu ? Là. Le god de la justice a frappé. C'est bon ? Et tu vas mourir, oui ! Il a l'air d'aimer ça. Bon, je crois qu'il est mort, mais que ça bouge encore. C'est tout ? Ah non, il y a encore des choses à faire dedans. T'entends ces hurlements la nuit ? Ouais, c'est le voisin du troisième, il a la chiasse. Ouais, encore un truc qu'on peut pas ramasser, parce que... fuck. Ah, des sous-sous ! C1C1CBD, ok. Si je vais sur ce BD, je peux aller au 7A et ce sera très bien. Ça m'a l'air d'être une zone à la con. Balles. Un joli Nova, pas dégueulasse. Je ne peux pas ramasser la bouffe. Y'a personne? Attendez, est-ce que ce soit débordant de monde? Je ne peux pas ramasser. Ok, mets-toi doucement avec cette gâchette. Comment tu m'as retrouvé ? Un émetteur GPS. Celui que t'as oublié de désactiver sur les médocs que t'as volés. Rends-les-moi, et je m'en vais. Voler ? Le baloperidol fonctionne pas. Alors c'est qui, le vrai voleur, hein ? Les charcutoc. Ce sont eux, les vrais criminels. Puis j'aime bien sa petite tronche de Katachan. Contre la cyberpsychose. Ah, je suis pas fou. Du calme, du calme. Pas complètement. Va-t'en. Non. Ils te servent à rien s'ils marchent pas. T'as qu'à me les donner. T'es comme eux. Les charcutocs, les politiciens. Comme cet enculé de Holt. On doit bien avoir quelques différences. Ta gueule. Ce bâtard, il a volé les recherches. Il en a rien à foutre des malades. Mais... et bientôt, bientôt, je le trouverai, je le tuerai. Hop,
T'es un soldat, pas un terroriste. HTS-47 de Militech, avec renfort en polymère. T'étais soldat. Militech, 3e division légère, 155e régiment d'infanterie. 7 ans dans une putain de jungle. C'était plus simple à l'époque. Avant que tu tombes malade? On m'a jeté comme une vieille batterie. C'est pas une raison pour devenir terroriste. Ouf. T'es en colère. Je comprends. Tu te sens trahi. Il s'agit pas que de moi! Je sais. Mais si tu descends Holt, tu feras juste tourner la tête pour tous les gens dans ton état. Ils vous traqueront. Pars. S'il te plaît, va-t'en. Je peux pas partir sans les médocs, tu le sais. Ils sont là. Je veux être seul. Voilà! Beau fils de pute. Je croyais que tu détestais les corpos. Tu devrais te dire qu'il a eu ce qu'il méritait. Ils l'ont détraqué, et ils l'ont laissé tomber. Il a continué de la seule façon qu'il connaissait. Je le comprends. J'en suis sûr. C'est peut-être pas une si mauvaise idée d'assassiner Holt. Au moins, ça ferait chier des gens. Ouais, sûrement. Mais à quoi bon? C'est mieux que de s'enfoncer la tête dans le sable. Réunion. Tu sais que ça fait 2 mois depuis notre dernière réunion, tout le monde me demande de tes nouvelles. Tu seras là jeudi à 19h, tu pourras parler à Mike ou Sarah, ou au moins écouter ce qu'on dit, même si tu participes pas, il ne faut surtout pas avoir honte du stress post-traumatique. On est tous passés par là, on sait ce que c'est. Je veux pas te mettre la pression, si tu ne peux pas jeudi, ce n'est pas grave, mais essaie de répondre à l'habitude de venir régulièrement, d'accord? Et si tu préfères me parler en privé d'abord, tu as mon numéro, ça me fera plaisir de te voir. William R. Non, William, j'en ai assez de la compassion, des tapes dans le dos et de m'habituer sur mon sort, parler ne sert à rien, agir c'est la seule chose qui marche. J'espère que tu viens de pas faire un truc stupide, tu habites où maintenant? Je peux passer devant, on en parlera de ce qui te tracasse. Bill, tu es où? Salut, paye ou ta tête explosera, Nightmare. Salut Choum, c'est pas toujours de chance. Ouais. Ouais. Allez. On va faire une petite save, rapide, puisque bon, maintenant on sait qu'il a une petite... Il y a peut-être potentiellement le moyen d'envoyer de force ses potes. D'abord, on va lui piquer sa bouteille. Et ce truc-là que je sais pas... Une agrafeuse, voilà. T'as pas besoin de ça, de toute façon. Peux parler? Peux pas parler. Alors qu'on peut peut-être lui parler maintenant qu'on le... On peut lui parler maintenant? Non? Non, on peut pas lui parler, on peut rien pirater, et on peut que se casser. Ok, ben on se casse. Ah, ça devait arriver. Et je peux pas récupérer le gun sur lequel il s'est donné la mort. Aïe. Bon, bah, c'était très joyeux tout ça, on peut repartir maintenant. Moi qui voulais pas le buter, justement. Bon. Bah tiens, on va tenter... Ah, non, on peut pas ça. On va tenter le passage que j'avais vu au-dessus. Ouais, non, c'était belle. J'avais pas fait cette pièce? Si. Le briquet m'avait échappé. Bon. Hey, ça grimpe! Ah, ça va pas grimper beaucoup plus en fait. Ah! Ah, ça va faire mal! On va retenter une deuxième fois, juste histoire d'être sûr qu'il n'y a pas un truc planqué, parce que là, je me suis juste raté comme un gros caca. Bah,
Non, c'est pas dans le sens là qu'on utilise un fauteuil, monsieur. Bon. C'est ridicule. Là, on ne peut pas. Mais là, il y a quand même un truc, hein. Bon. Mais non, mais pourquoi t'as pas sauté ? One eternity later. Il veut absolument s'accrocher à ce putain de rebord de merde. Après tout. Ouais, putain. Juste pour ça, ça valait le coup. D'aller de l'autre côté, ça m'a l'air un brin plus safe. Non, il manque aussi de... Mais en fait, c'est... D'accord. En fait, c'est une connerie de chez Red Project, quoi, en fait. C'est... On a fait un modèle infini d'échelle, mais comme on est des clampins, on n'a pas mis le... On n'a pas fait de rambarde à l'arrière. Mais on les a posés 50 fois. Si, là, pourtant, là, elles ont... Pas chercher. Oh. On va faire une petite sauvegarde. Hop. Je parie que c'est un endroit, c'est un balcon qui n'a pas de porte d'entrée. Eh ouais! Et je suis passé au travers. On n'était vraiment pas censé aller là, je pense. Quoi, ce truc? Ah, c'est des... D'accord. Ah ouais, non, c'est... Ah oui, à ce niveau-là? Ah, bien joué. Ah, bien joué, la pub qui fait partie du... Ok. Bon, je pense pas qu'il y aura grand-chose en mode secret, en bas. What? Ok, ça va. Non, je suis revenu au même endroit. Je suis tombé. Je suis tombé sur elle, palapapa. Oh, ce n'est Dieu que pour elle, palapapa. Ma maison, ma tour Eiffel, payoupoupou. Sérieux, je passe au travers du décor, quoi. Donc ça, je ne peux pas le grimper, alors que ça a toute l'évidence d'être un truc qu'on est censé pouvoir grimper, mais c'est pas grave. Bon, j'ai un petit vision, petite vue d'en haut. Enfin, une petite F5, parce que c'est pas un endroit où on est censé se balader, je pense. Donc on a bien un complexe Sarasaka ici, mais il est rouge et ça ne m'intéresse pas. Ah la vache, tout ça pour prendre de la hauteur. Oh, les machins ont même pas de texture. Mais regardez. Mais sérieux! C'est des Red Project, c'est quoi ce boulot? Mais lol!
Bon, de toute façon, ça s'arrête là. Oui, ça s'arrête là. Donc là, je suppose que je passe au travers, bien sûr. Mais pas plus loin. Ok, bon, ça nous fait... une belle jambe. Je sais même pas comment je vais redescendre, d'ailleurs, je suis en train de me dire. Sans doute avec beaucoup de douleur. C'est stylé la rambarde comme ça, transparente. New Hero. Hey, je sens que je vais être emmerdé pour descendre. Ou quoique, peut-être pas. Quoi par ici? Ah, c'est un peu casse-gueule quand même. Nep, 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 nep. Oh, pff, oui, ou prendre l'escalier. Pas tout. Aïe. J'ai plus rien qui m'étonne, là, je dois vous avouer. En tout cas, je suis content, j'ai réussi à monter là-haut. C'était complètement inutile, mais je voulais le faire. Je me demande si ça existe vraiment ce genre de... One non de Zeus. Ok. Alors là, on est devant du... glandage. Glandage le gris. Est-ce que je peux descendre par là? Alors ça va, c'est plus... Ok. Elle a pas voulu faire son double saut, mais ça va. On est en bas. Ouh ! Elle va me demander du boulot au codage, au montage, mais on s'en est pas si mal sorti en fait. Et on touche combien pour cette mission où un brave attachant à la retraite s'est pris une bastos ? Ouais. Fabuleux. Fabuleux.